Et après, avant de dormir, tu manges un truc aussi? Je mange un f*** de ma copine. J'espère que vous allez bien, c'est Timo Chef, c'est un plaisir de parler de vous. Aujourd'hui, les gens, on teste l'haltérophilie. Vous êtes prêts? Non, non, non. Tu fais quoi là? C'est parti! Aujourd'hui, les gens, on rencontre Benjamin Kane, l'homme le plus fort de France. C'est parti! Ah, Benjamin Kane! Parti les géants. Damn Benjamin. Damn Thibaut. Comment tu vas? Bien. Très bien. Aujourd'hui Benjamin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'haltérophilie, de la force athlétique. Thibaut, tu viens? Non. Allez, viens. Non. Allez, montre-nous tes belles cuisses. Magnifique. Je suis pas dans mon élément naturel. Tu veux la piscine ou Qu'est-ce que t'en penses Benjamin? Ouais, nickel. Est-ce qu'on compare les cuisses de suite ou pas? Bah, tu vas engorger un peu, je pense, avec l'haltéro. C'est violent, il a un quadri gros. On dirait qu'il y a un bébé à l'intérieur. Contracte au moins Thibaut quoi. Tu peux toucher ou pas? Par curiosité juste. Oui, oui. Ah oh, c'est beau quand même. Bon ben on va travailler. Tu pèses combien? 92 kilos. Tu mesures combien? 1m74. Et t'as quel âge? 23. C'est pas vrai. Je te crois pas. 33. Tu les fais pas. Ah merci. Tu fais plus. Ok Benjamin, donc là maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va s'échauffer, prends le bâton, barre à bout de bras, la marche des canards. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secoue le bas. J'ai perdu toute dignité déjà. Super. Ok. Ouh. C'est la danse des canards qui en sortant de la main. J'ai les genoux rouillés quoi. Y'a quoi comme exercice dans l'haltéro et la force athlétique? En haltérophilie, y'a deux mouvements, y'a l'arraché et l'épaulé jeté. Et en force athlétique, y'a trois mouvements, les squats, le développé couché et le soulevé de terre. Tu veux présenter ton palmarès? J'ai été vice-champion du monde, champion d'Europe. L'exercice là, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, on va faire l'arraché, premier mouvement olympique, largeur des talons, niveau du bassin, qui est un peu vers l'extérieur. Prise de main large, on fixe le dos et arrive au-dessus des genoux, fin saut. Ok, les gens pour de vrai, j'ai jamais testé l'haltéro. Ma première fois l'haltéro avec vous les gens. Un peu plus serré les pieds. Pieds serrés. Là, tu descends sur les jambes. Comme un soulevé de terre. Exactement. Prends là-bas, le dos bien plat. Tu veux lever un peu les fesses. Là tu pousses avec les jambes. Ok. Et tu les joues, tu fais un saut. Hop. Ça ressemble à quelque chose? Oui. Ok, merci. Est-ce qu'on peut vivre de l'haltérophilie aujourd'hui ou pas? Ah non, on ne peut pas vivre de l'haltérophilie malheureusement. Aux Jeux Olympiques par exemple, quand on gagne au JO la médaille d'or, combien on gagne par exemple? L'athlète reçoit 50 000 euros en général pour la médaille d'or, 22 ou 30 000 euros la médaille d'argent et 12 000 euros la médaille de bronze. Alors maintenant, ce que tu vas essayer de faire, ouais, tu vas faire un temps d'arrêt, tu vas rester bloqué ici. Ok, ça marche. Et c'est arrivé là que j'envoie. Ouais. On se baisse, on l'attrape, on bloque. Là, hop. T'as mis trop dur là. Là maintenant tu t'es échauffé, on va pouvoir monter un peu en charge pour justement voir un peu tes limites. Ok très bien, bon on va essayer. Ok. Aussi je peux la faire tomber d'un coup comme ça? Bien sûr. Là il y a combien? Là il y a 50 kilos maintenant. Ok, on essaye à 50. Quand tu te concentres, tu respires bien. Ah. Ah. Ok, passe. Ah. Allez, allez Thibaut. Allez. Comment t'as découvert alors l'haltérophilie? Mon père faisait la force athlétique, du coup moi je me suis dirigé sur l'haltérophilie puisque j'ai commencé à 11 ans. 11 ans t'as commencé l'haltérophilie à 11 ans? Oui exactement. Tu veux gauler sous ondes comme ça pour curiosité? Allez, on est là pour ça. Par contre j'ai les mecs qui glissent un petit peu, est-ce que t'as un truc à me conseiller? Ouais, la manésie. Ah oui, des fois j'en mets pour la muscu. Après tu fais ça un peu. En compétition t'en mets tout le temps? Ah ouais, ouais. Et là... Bah ah oh. Oui, ah. Elle va passer. Ça. Ah. On se repose un peu, tranquille. Allez, c'est bon. Allez, elle passe, allez, la 60. Elle passe. Pour vous les gens, pouce bleu. Allez. C'est bon là? Ça marche, on fait une presse ou pas? C'est pas validé. Tu l'as mis à bout. Exactement, c'est ce qui compte les gens. Ce que j'ai remarqué avec ton pouce, t'as pris la barre comme ceci, faire le haut grip. D'accord, donc tu fais comme ça, pointe ton pouce. Voilà, c'est-à-dire que quand tu vas vouloir tirer la barre, elle va pas glisser. Et toi l'haltérophilie, c'est ton métier ou pas? Je suis militaire, je suis au CNSD de Fontainebleau, caporal chef. Et du coup, est-ce qu'avec l'armée, t'as un emploi du temps qui est adapté? Oui bien sûr, je m'entraîne tous les jours, deux fois par jour. Ok les gens, maintenant deuxième exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire deuxième mouvement olympique, l'épaule jetée. Je me suis pété le poignet, donc est-ce que ça peut gêner le mouvement? Carrément au niveau de la souplesse, surtout sur le verrouillage sur l'épaule. Donc on va travailler léger. Alors le placement au niveau des pieds c'est le même. La prise de main va se faire largeur épaule. Le départ c'est le même, dos placé. Ou sur les jambes, on amène la barre au niveau des clavicules. On est là, et ça c'est le mouvement de l'épaulé. Ensuite le mouvement du jeté c'est, on peut jeter en debout comme ceci, ou en fente. Donc comme ceci. Voilà exactement. Dos droit. On amène la barre au niveau des épaules. Donc c'est là qu'on voit la limite du poignet. Là tu fais un saut.
Voilà, super. Oh, pas mal de sauts. Aujourd'hui, ici, alors où est-ce qu'on est? On est au temple, Thibaut. On est au temple, donc ton temple, c'est ça? Temple de l'haltérophilie et de la force athlétique sur Bordeaux, à Power Camp. Est-ce que toi, tu peux t'entraîner dans une salle de muscu normale ou pas? Oui, pour bricoler. pour bricoler. Faire un peu de squat. Si vraiment je veux lever lourd, faut venir ici. Il y a tout le matériel adapté. Et ça, qu'est-ce que c'est alors? Mettre ça pour protéger les poignets. Ça va permettre justement d'avoir carrément un poignet quand même assez rigide. Du coup, tu les prends en premier, toi, tu les prends pas du tout? Non, moi, vraiment, c'est bon là. Ok, ça. Ok, il y a que moi qui les mets. Allez, ah, allez Benjamin, explose. Allez, tu l'arraches. Est-ce que dans ce sport, il y a du dopage? Oui, comme dans tous les sports, il y a du dopage. Nous sommes contrôlés à tout moment, on peut être contrôlé n'importe quand. Tu t'es déjà fait contrôler? Oui, à 6h du matin. Il toque à la porte? Voilà, il y a un médecin qui frappe, prise de sang, urine. C'est inopiné. Beaucoup de pays jouent pas le jeu, hein, bien sûr, comme pas mal de pays de l'Est. Et du coup, toi, pour augmenter tes performances, est-ce que t'as déjà été tenté par le dopage ou pas? Tenté, me poser la question, oui. Ça sert à quoi de se bousiller à santé, en fin de compte, ben, pour tout perdre? En haltérophilie, il n'y a rien à gagner. Je préfère souffrir sous les barres naturellement que faire la bêtise de me doper. Il y a plus à perdre qu'à gagner au final. Exactement. Ok, Benjamin, là, on teste à combien? 80 kilos. Allez, 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 elle s'envole. Allez, hop, hop. Alors okay. On la fait voler dans 2 minutes. Oh, le fail. Allez, pousse. Voilà. Voilà. Allez, pousse pas, on pousse pas. Allez, allez, lâche pas, lâche pas. Allez, oh, ok, ok, ok. Ok, ouais, c'est un peu plus lourd là, du coup, là, c'est... Ok, les gens, donc pour l'honneur, on va essayer 70 kilos. Ok, allez. Énervé, là. Voilà. On pousse pas, ça pousse fort. Merci chef, merci. Comment tu te sens quand tu vas attaquer une barre? Quand il y a 300 kilos au squat, psychologiquement, dans quel état tu te mets en fait? Moi, du super guerrier, je me transforme en super guerrier et je fais tout pour exploser quoi. Je contrôle le mouvement et au moment d'envoyer la sauce, brac, on envoie tout. Et tu penses à quoi? C'est ça ou tu meurs. D'accord, donc toi c'est ce que tu te dis, il faut que je soulève la barre sinon je meurs. Exactement. Prochain exercice, Benjamin là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les squats. Non. Est-ce que tu peux nous montrer un beau squat haltéro? Allez, c'est parti. Les talons largeurs du bassin, pointe de pied vers l'extérieur, on descend sur les jambes. Et on contrôle la descente. Ouais. Tu t'en vas à la bas. Ok. Cul par terre. Plus bas, tu peux plus aller. Ouais, 70 kg. Les pieds largeur du bassin. On est déjà à l'extérieur. Nickel. Tu sors sur les jambes. Hop, et tu repousses. Ouais, bien. Est-ce que ces chaussures là, il y a un truc de spécial par rapport aux chaussures normales? Talonnette. Ça permet d'avoir le pied tout petit peu plus relevé. Ça, c'est les chaussures spécifiques haltérophilie. Souvent, moi, quand je dis squat, je suis pieds nus. Est-ce que c'est bien aussi ou pas? C'est très bien, ça dépend de la mobilité. Si ouais. Tu peux faire les squats pieds nus, il faut le faire. Et donc, comme on peut le dire, t'es l'un des hommes les plus forts de France, mais il est modeste. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes perfs? Alors, mes perfs sont de 170 kg à l'arraché. Ok Benjamin, donc là on a de déconner. Donc c'est ton max 100 kg, c'est ça? Bon, 300 kg. Ah, 3 fois plus. Oh super, c'est beau. Ah Thibaut. Allez. Allez. Tom Platz. Please. Et tu repousses fort. Pousse. Ouais. Donc là il y a combien là? Il y a 115 kg, parce que maintenant il va falloir qu'on s'envoie. Allez. Oh là là. Allez, tu repousses, tu repousses. Ah. 215 kg, allez pour les jeter. Là, on a mis 130 kg parce que 115 c'était vraiment easy quoi. Ok, bon ben, on essaye. Est-ce que tu veux que je te parle, Benjamin? Allez, allez, ah. Allez, allez. Ouh. Ah voilà. Allez. Oh. Moi, je fais pas. Bref, allez, venez. 300 kg au squat. Prochain exercice. Soulevé de terre. Comment on fait un bon soulevé de terre? Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a prise sumo et traditionnel. Main, pronation, supination. Le placement du dos. On pousse sur les jambes et arrivé ici. On verrouille le dos. Tu pousses sur les jambes et tu verrouilles le dos. Hop. Voilà, super. Cool. On va pouvoir monter. On monte un petit peu. 110 kg. 110. Et toi, ton maximum, c'est combien? Et de 287 kg 500 au soulevé de terre. Benjamin, là on essaye à combien? 140 kg. Ah oui, ok, allez. Voilà, 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 voilà. Oui. Benjamin, combien? T'es pas venu pour rien, 160 kg. Exactement, les gens, on a fait 3 heures de route, c'est pour porter des poids. Ah. Tu l'arraches. Ah. C'est la tienne, celle-là, elle est à toi. Ah. Allez. Quand on sait qu'il tire 285 kg, on rigole. À quoi faut que je pense là? Solide. Ok, solide. Tu fais comme si ta vie en dépend. Ma vie en dépend. Si tu te lèves pas, tu meurs. Ok, je veux pas mourir. Allez, 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 oh. Allez, 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 oui.
ça. C'est ça. Tu fais des squats tous les jours? Tous les jours. Cela explique cela. Par exemple, à 16 ans, j'avais un squat à 200 kg et je pesais 69 kg de poids de corps. Donc maintenant, prochain exercice, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, le développé couché. Ah, une position pour le développer alors. Les pieds doivent toujours être en contact avec le sol. Les fesses et les épaules et la tête doivent toujours être collées. Au banc. Moi, personnellement, je prends ici, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Alors, il y a un temps d'arrêt. Une fois que c'est stabilisé, l'arbitre dit top. On contrôle, il dit presse. Et là on presse. D'accord, il y a toujours une pause sur les pecs. Exactement. Comment on essaye là? 90 kg. Contrôle. Tac. Hop. Pousse. Tac. Nickel. Ok. Quelle machine cet homme. Est-ce que tu peux expliquer toi une journée type? Journée type, ben réveil c'est entre 7h et 8h. Puis je vais m'entraîner à partir de 9h30 jusqu'à 11h30. Je mange, je fais la sieste. L'après-midi, je prends ça. Et je fais que ça. C'est génial. Oui, c'est très bien. Ouais. 100 kg. Okay. Mécantale. Allez gros. Hop. Elle était un peu longue la pause, ouais. Désolé. Tu t'es endormi non? Donc on va pouvoir mettre un peu plus. Ok Benjamin, il y a combien là? Il y a 110 kg. Juste avant j'ai une question. Vous des fois dans les compètes de force, vous sniffez pas du poppers, un truc comme ça? Du poppers? Non non, c'est de l'ammoniaque. Colle-le à ton nez. Eh mais colle-le gros. Mais pour de vrai. Ah ouais, ok. Colle-le à ton nez. Mais gros. Ok. Colle-le. C'est bon, c'est bon, je vois ce que c'est. Ah ça fait du froid. Ah ça pue, ça fait. Non. Putain, j'ai shooté là. Le mec j'en pleure. De l'ammoniaque, ok. Ça marche bien. Tu veux essayer? T'en as? Ouais. Oh voilà l'ammoniaque. Ok. Tiens. Ok. Allez, fin gros. Oh putain. Ok, ah j'ai pleuré. Oh. Ah Thibaut. Oh. 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 Oh ça marche bien. Oh. Ah ouais. Tu veux sentir? En fait j'en prends jamais. Vas-y. Ouais. Oh. Incroyable. En plus il y a été franco. Genre ça lave le cerveau. J'ai pleuré un petit peu là. On l'a fait pour la vidéo mais ne faites pas ça chez vous. Au petit déjeuner qu'est-ce que tu manges par exemple? Je me fais une bonne galette, une bonne omelette. Combien de? Bah j'en mange que deux. J'ai pas très faim le matin. Qu'est-ce que tu manges après l'entraînement ou qu'est-ce que tu bois? La dinde. À midi qu'est-ce que tu manges? Des pâtes. Du riz, de la dinde et du poulet. À 15h qu'est-ce que tu manges? Des fruits, une barre de céréales, des frottes. Et le repas du soir c'est? De la soupe. Donc le secret pour des grosses cuisses c'est la soupe les gens. Et après avant de dormir tu manges un truc aussi? Je mange un ma copine. Ça, ah t'étais trop sérieux depuis le début, j'attendais trop fort. Quelle quantité? Je pense qu'elle tremble. Donc ça Benjamin qu'est-ce que c'est alors? Ça c'est le screenshot. Le screenshot. Sling. Le screenshot c'est pareil, c'est autre chose. Il va te permettre de mettre du lourd. On va essayer. Il y a 120 kg. Allez hop. Pousse. Oh ouais. Ah d'accord. Ah c'est vrai que c'est la... Ah c'est mieux. Ok. Conclusion de merde. Mis à part ça, donc voilà, une diète équilibrée. Voilà, tout à fait une diète équilibrée. Il est Et quelles sont pour toi alors les valeurs un peu de ce sport? C'est beaucoup d'abnégation, il faut énormément de courage, il faut vraiment avoir la rage et il faut jamais baisser les bras. Sauf pour attraper la barre. Déjà. Merci en tout cas. Merci pour tout. Et surtout, sans oublier de faire que vous êtes les meilleurs. Boum. Ah mon pied. Non. Bienvenue dans mon temple, ici faut qu'on pousse. Y'en a pas pour longtemps, mais vas-y mets ton pouce.